Viens, suis-moi. J'ai un dernier secret à te montrer. Depuis combien de temps es-tu membre de ces assassins ? Depuis 2 ans. J'ai rencontré Atabai à Spanish Town. Et quelque chose en lui m'a inspiré confiance. Une sorte de sagesse. C'est lui qui a bâti tout ça ? Ce clan ? Non, Edward. Assassins et Templiers s'affrontent depuis des milliers d'années. Dans le monde entier. À l'origine, la philosophie des indigènes du Nouveau Monde était proche de notre credo. Avec l'arrivée des Européens, nous nous sommes associés. La culture, la religion et la langue entretiennent la division, mais le credo des assassins a toujours su effacer les frontières et les différences, par son amour de la vie et de la liberté. Ça ne te fait pas penser à Nassau ? Un peu, mais ça n'a rien à voir. Nous y voilà. Prends la pierre que t'as découverte sur la stèle Maya et insère-la ici. En voilà une. Plus que quelques dizaines à trouver. Et j'en retirerai quoi, dis-moi ? Du respect, pour commencer. De la part des hommes et des femmes que t'as mis en danger. Et si ça te suffit pas ? Il y a un trésor derrière cette porte. Un trésor vieux de plusieurs siècles. Je te promets que si tu veux te donner la peine de les retrouver toutes, tu n'auras pas à le regretter. Et toi alors, tu repars à Nassau ? Quand un autre contrat m'y appellera, ouais. Pour l'instant, ma place est ici.
crois que j'ai jamais rien enregistré sur ce téléphone. Salut, Pa. Alors, on est tous à New York, au motel. Enfin, dans le Queens, à Astoria, près de la ligne NQ. Rebecca est partie chercher des piles pour un machin. Et Sean est dans sa chambre, à faire ce qu'il fait d'habitude. Et toi, t'es sorti chercher à bouffer. Et puis moi, eh ben, je suis censé me préparer à m'infiltrer dans des bureaux du quartier des affaires. En fait, ça me rappelle les exercices que tu me faisais faire. Je te vois pas pendant 10 ans, puis tu réapparais. Et c'est comme si j'étais jamais parti. Les mêmes coups de gueule, les mêmes complots, la même paranoïa. Sauf que cette fois, je sais que t'as raison. Je crois tout ce que tu dis. Tu sais, je pense que tu connais pas toute la vérité. Ça m'étonnerait que t'en saches autant que moi. Tout ce que j'ai pu apprendre en quelques semaines. Il y a tellement de trucs. J'ai l'impression d'avoir vécu pendant 1000 ans. Ou peut-être 10 000. C'est impossible à décrire. Mais quand on découvre autant de pays, qu'on voit à travers les yeux d'autant de gens, on peut pas s'empêcher d'être triste. Parce que tous ces gens incroyables, intelligents, ils mènent les mêmes combats. Ils font les mêmes erreurs, encore et encore. Parce que la culture, la connaissance, l'histoire, toutes ces choses ne passent pas dans les gènes. Et chaque enfant doit en réapprendre les bases. Comment vivre? Comment survivre? Comment se battre pour ce qui est juste? Tellement de choses se perdent pendant la transmission. Tellement de choses apparaissent à chaque génération. C'est dommage. À chaque fois, il faut tout réapprendre. J'ai rencontré Clay, papa. Clay Kaczmarek, dans l'Animus. Je le connaissais sous son nom d'Abstergo, le sujet 16. Mon prédécesseur. Il m'a montré des choses. Il me les a transmises. Juste avant de mourir. Ou être effacé, je sais plus. Tout ce qu'il a appris. Tout ce qu'il a vu, bon Dieu. Comment je pourrais te dire ça? Je crois que c'est toi qui l'as formé après mon départ. Il avait vraiment beaucoup d'admiration pour toi. Maintenant qu'il m'a ouvert les yeux, je crois que je comprends pourquoi. Je suis content qu'il ait été un peu auprès de toi. Même si j'étais pas là. Les choses qu'il m'a montrées. Des trucs incroyables. Et j'ai... Merde. Attends, j'en ai pour une seconde. Ok. Bon, ça fait plusieurs semaines que j'ai rien enregistré. Désolé.
Nos chercheurs ont fouillé la vie d'Altaïr ibn Lahad en espérant y trouver une matière susceptible de faciliter notre pénétration mondiale des marchés. Malheureusement, cet assassin renégat n'a pas le potentiel requis. Les images révèlent un homme qui enfreint allègrement certains des tabous les plus sacrés de sa culture en faisant preuve d'une arrogance confinant au messianique. Altaïr, non, this is not our way. To burn a man's body is forbidden. Une majorité de nos chercheurs estiment que les arguments formulés par le rival d'Altaïr, que nous ne connaissons que sous le nom d'Abbas, étaient plus réfléchis et mieux fondés que la plupart de ceux de l'intéressé. J'ai récemment demandé à ce que l'on s'attache à localiser l'un des descendants d'Abbas, s'il en existe. Les transgressions d'Altaïr sont à l'origine de la dissolution de l'ordre des assassins au milieu du XIIIe siècle. L'approche intellectuelle plus raisonnable d'Abbas aurait, elle, conduit à de formidables progrès. Par conséquent, nous recommandons vivement de ne pas l'exploiter et de privilégier un personnage plus prometteur de cette époque.